Si est-ce un amour qui a duré jusqu'à la fin, et même un peu plus, puisque Laetitia Hallyday porte toujours le deuil de son regretté Johnny. Mais les sentiments n'empêchent pas les infidélités, comme l'a confié la veuve du chanteur dans un documentaire. Pendant 27 ans, Laetitia est restée aux côtés de Johnny Hallyday. Un amour inconditionnel avec le célèbre chanteur qui marquera à vie la fille d'André Boudou. Après leur rencontre en mars 1995, un an plus tard, les amoureux se sont dit oui à la mairie de Neuilly-sur-Seine devant le maire de l'époque, Nicolas Sarkozy. Le début d'une grande histoire et surtout d'un beau parcours pour celle qui est devenue la quatrième et dernière femme à épouser le rocker. Durant des années, Laetitia a toujours été aux côtés du taulier pour l'épauler et le soutenir lors de toutes ses épreuves. Les deux inséparables ont même décidé de fonder leur propre famille en adoptant deux filles, Jade et Joy. Un foyer heureux jusqu'au dernier souffle de Johnny, le 5 décembre 2017. À l'occasion du 5e anniversaire de la mort de la star, Laetitia Hallyday s'est confiée comme jamais dans le documentaire Johnny par Laetitia, réalisé par William Carell, qui a été diffusé en décembre dernier sur M6. Il y a eu des hauts et des bas, la petite fille de Mamie Rock a retracé au travers d'images d'archives inédites plus de 20 ans de leur parcours. Laetitia Hallyday est notamment revenue sur leur histoire d'amour qui n'a pas toujours été très rose. Des infidélités sont venues ternir leur relation au moment de l'adoption de Jade, lorsque celle-ci est arrivée dans leur foyer. Je me suis oubliée en tant que femme. Ce que Johnny ne supportait pas, a-t-elle confié. Cela a créé des différences et puis des aventures ailleurs. En 23 ans, il y a des hauts et des bas. Des moments très compliqués. Et si est-ce ce qu'on a vécu tous les deux? On s'est séparés, on s'est remis ensemble. Malgré les souffrances et les déceptions, la veuve de 47 ans ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose, a-t-elle assuré. Laetitia Hallyday ne préfère garder que les bons souvenirs.